Mamadou Aliou Keita, gendarme en service à l'escadron mobile numéro 1 de Kaloum, reconnaît s'être rendu avec des agents de son unité au stade le 28 septembre 2009 dans le cadre du maintien d'ordre. Il est accusé par Mme Assia Touba de l'avoir violé ce jour au stade avec d'autres agents. Il nie les faits de viol, bien qu'il déclare connaître la victime qui est parente à son ex-copine. Plusieurs viols ont été commis à ciel ouvert en pleine journée au stade le 28 septembre 2009 par des forces de défense et de sécurité. Ces actes ont été commis de façon généralisée et systématique par les uns avec le concours de certains dans l'indifférence absolue des autres. Les conditions de commission de ces viols en font clairement des crimes contre l'humanité entachant la responsabilité pénale de Mamadou Aliou Keita, qui était présent au stade en qualité d'agent de maintien d'ordre. Si certaines victimes n'ont pu reconnaître leur violeur, cependant, Mamadou Aliou Keita a été formellement identifié par sa victime. Il convient dès lors de déclarer Mamadou Aliou Keita coupable de crimes contre l'humanité pour viol. Pour la répression, condamne adjudant-chef Mamadou Aliou Keita à 11 ans d'emprisonnement.